sonate de Beethoven, réminiscence de la formation classique de Yannick Siddiqui, accompagne la mise en place de ces deux musiciens, Dimitri Delporte à la batterie et Johan Belfond à la contrebasse. La musique change alors de tempo, les compositions jazz de Yannick résonnent alors dans le local de répétition. Il y avait quelque chose au niveau du rythme qui m'intéressait, surtout la créativité grâce à l'improvisation, le travail de l'impro avec le jazz, qu'on n'a pas en classique. Je pense beaucoup à l'harmonie, à la mélodie, et là où je prends un peu de distance avec le classique, c'est par des mesures un peu plus poussées, rythmiques, qui m'intéressent avec le jazz. La musique du trio, récompensée par le prix du public au dernier tremplin régional de jazz, est un subtil cocktail d'influences, classique, funk, musique orientale. Ce métissage brise un peu les frontières et veut toucher tous les publics. Le plus intéressant, c'est de toucher le plus possible. Enfin, j'ai envie de faire partager ma musique, c'est aussi simple que ça. J'ai pas envie de encore me catégoriser dans un style bien particulier. Après, à l'intérieur de ma musique, je vais piocher dans le jazz, mais je vais piocher ailleurs. Et c'est ça qui fait que j'ouvre un peu, et je pense que c'est accessible un peu plus à un plus grand nombre. Yannick Siddiqui et son trio préparent ici leur prochain concert. Il fêtera la sortie de leur premier album, Opus 1, à mettre entre toutes les oreilles.